Vous regardez RTL. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Jean-Christophe Romantin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Vous êtes maire de Neuilly, président de l'association Expo France 2025 et c'est vous qui allez donc présenter et qui portez ce dossier depuis le début. Déjà, dites-nous, à quoi ça sert et à quoi ça ressemble une expo universelle une, une expo universelle, c'est... Théoriquement, nouveau à chaque fois, puisque c'est un nouveau pas vers le futur avec une nouvelle génération. Ça sert à, à donner rendez-vous au monde. C'est un grand moment d'humanité, une expo universelle, puisque dans la candidature qu'on présente, on, on estime à 50 millions à peu près le nombre de visiteurs attendus. C'est un moment d'innovation, puisque mettre un pas dans le futur, préfigurer le futur, c'est un, ça fait de l'expo un, un immense laboratoire, finalement. Et puis, c'est surtout un moment de partager le futur avec le grand public, pour finalement le rendre acceptable, euh, faire de la, de la pédagogie et puis regarder un peu les réactions du public donc, face à toutes ces innovations. Donc c'est d'abord une projection dans l'avenir. Oui, c'est essayer d'imaginer l'avenir. Alors pas sim simplement dans le domaine techno technique, technologique ou, ou scientifique, mais aussi dans le domaine culturel, aussi pas dans pas. les effets de levier qu'on peut tirer de la rencontre entre les populations. C'est un moment de, 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 de rencontre, d'échange euh, extrêmement important. Concrètement, je ne vous demande pas ce qu'on y verra, mais concrètement, dans une expo universelle, on y voit quoi d'une sorte Façon. On y vit quelque chose. C'est plus partage, participer à une expérience. Oui, on a, on a fait travailler il y a 4 ans des jeunes qui nous ont dit il faudrait changer le mot exposition par le mot expérience. Il faut participer. Et donc ce qu'on veut c'est que les 50 millions de visiteurs participent à quelque chose. Ça veut dire que ah, le mot f... exposition aujourd'hui est, est un terme un peu passéiste par rapport à ce que peut être une, une expo universelle. Je pense qu'on ne traverse pas le monde pour voir une exposition. Et les, 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 les nouveaux réseaux et tous les moyens de communication qu'on a fait qu'être passif devant une exposition ne justifie pas de faire le tour du monde. En revanche, participer à quelque chose d'unique, à un moment, à une expérience préfiguratrice de l'avenir, qui soit aussi un moment de convivialité, c'est ce qui donne son sens aux expositions universelles. Combien peut coûter notre expo universelle On avance la somme de 3,5 milliards d'euros. Alors ce n'est pas combien elle peut coûter, c'est quel est le budget de l'exposition universelle puisqu'on en a fait une entreprise. C'est la raison pour laquelle j'ai dès le départ dit au président de la République qu'il n'était pas question qu'il y ait de subventions, qu'il y ait d'aides publiques, qu'on pouvait le gérer comme le faisaient nos, nos ancêtres au 19e siècle. Il gérait les expos comme une entreprise, et les expos étaient bénéficiaires. Sauf que Matignon et Édouard Philippe s'inquiètent du coup de cet événement. Hein. Oui, ils ont demandé euh, des explications à la demande du budget sur la manière dont était construit le modèle économique. On leur a présenté, on leur représentera une version plus approfondie dans, dans quelques semaines. Mais je suis convaincu, et c'est un élément, un avantage comparatif de notre candidature, que tous ces grands événements n'ont d'avenir que si justement on en fait des organisations économiques nouvelles, des modèles économiques nouveaux. Et dans l'Expo Universelle, on a plusieurs types de recettes, les recettes de billetterie qu'on estime à, à peu près 1,5 milliard à 2 milliards d'euros, toute une série de recettes de concessions, et on a négocié avec le site qui nous accueillera, le plateau de Saclay, une durée de mise à disposition qui nous permet notamment d'amortir les investissements. est ce que vous pouvez dire ce matin sur RTL, notre projet est autofinancé et il ne coûtera rien aux contribuables. Vous savez qu'on vit dans un pays où on a toujours peur pour nos impôts euh, parce que nous sommes beaucoup taxés. Et vous voyez, c'est vraiment un des éléments euh, socle de notre projet. Dès le départ, j'ai dit, non seulement l'État n'interviendra pas dans le modèle économique, mais il n'interviendra pas dans le financement de la candidature. Vous voyez, la candidature, c'est 30 millions d'euros d'argent que j'ai levé auprès des grandes entreprises françaises. Et, et je mets un point d'honneur, parce que c'est un élément de créativité, de faire un modèle économique qui soit autofinancé, parce que les Français attendent ça, mais parce que aussi, le sens de ces événements, c'est d'être des véritables entreprises innovantes. Et aujourd'hui, une entreprise innovante, elle va pas faire la quête auprès des ministères. Alors, le, le projet, tel que vous l'exprimez, très clair, mais je me permets d'insister. Et je ne vous fais pas le texte, mais est-ce que vous pouvez nous dire, ça ne coûtera rien aux contribuables français C'est inscrit dans notre dossier de candidature, qui a valeur de contrat vis-à-vis -vis des instances internationales, dont c'est un engagement qu'on a pris et on le tiendra parce qu'on pense que c'est un élément d'innovation consubstantiel de ce projet. Euh, si Édouard euh, Philippe émet des réserves, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron est enthousiaste à l'idée d'accueillir l'événement. est-ce euh, bah, que c'est bien ce qui se passe en ce moment à la tête de l'exécutif Non, mais je pense qu'Emmanuel Macron que a. Peut-être dans son rôle. Hein. Emmanuel Macron a un temps d'avance puisque quand il a été ministre. De de l'économie, on avait eu ce débat, on avait eu cette réunion autour de lui à Bercy avec l'ensemble des, des grandes entreprises françaises qui soutiennent et on lui avait expliqué en détail le modèle économique justement autofinancé de cette exposition universelle. En quelques mots, quel est le rendez-vous d'aujourd'hui et qui sont vos concurrents, qui sont nos concurrents Alors aujourd'hui, on a une, une assemblée générale du BIE, c'est-à-dire que tous les pays du monde qui vont voter en, en 2018 sont présents et donc tous les six mois à l'occasion du Nager, on fait un point d'étape sur notre candidature, donc on fait un point d'étape ce matin. BIE, c'est le bureau international le bureau exposition. des expositions. Ça a été créé en 1928 pour organiser davantage les expositions universelles. C'est une organisation intergouvernementale. Et donc, ce matin, euh, comme les Azéris, toi, l'Azerbaïdjan, euh, comme la Russie et le Japon, on va avoir 20 minutes pour faire un, un point d'avancement sur notre candidature. Et ce sont euh, des jeunes issus du monde entier qu'on a invités cette semaine à Paris qui s'exprimeront au nom de la France pour montrer véritablement le côté global, ouvert sur le monde de notre candidature et surtout pour montrer que c'est la candidature d'une génération. Pour lui passer la main de manière positive. Verdict en novembre 2018. Le 15 novembre 2018, dans pile un an, le vote des 170 pays pour l'Expo 2025. Dites Moi, quel est le pays que vous redoutez le plus ah bah, le, le, le Japon est, est, est très actif mais on redoute les, les trois adversaires et on, on essaye de mettre en avant notre candidature merci beaucoup Jean merci Romantin. je rappelle que vous défendrez donc aujourd'hui même ce projet devant le bureau international des expositions face à nous trois concurrents la Russie le Japon et l'Azerbaïdjan bonne chance à vous merci beaucoup bonne chance à nous